Bonjour les amis, c'est Mitraptoma de Nintendo Alert Station of Play et on se retrouve pour une nouvelle soluce de Zelda Tears of the Kingdom, donc sur un sanctuaire qui sans être ultra difficile, demande quand même une certaine réflexion. Allez, on va faire ensemble le cheminement. Donc comme dans beaucoup de sanctuaires en déconstruction. Là, c'est plus simple hein, pour arrêter le mouvement, c'est de tirer sur ce qui sert de roue, si vous avez assez de flèches, bien évidemment. Ensuite, on monte dessus, on n'a pas besoin de flèches, hein. On tape, on relance la machine. C'est pas la peine de frapper dessus avec votre arme, hein. Il suffit de tourner avec les petits bras de Link. Allez, vous tournez. Vous voyez, donc là ça se fermait. Donc on utilise le pouvoir donc, de marche arrière. On se colle, vous mettez près de la porte pour éviter qu'elle se referme. Voilà, pouvoir de marche arrière. On arrive ici. Là, vous prenez cet objet. Alors qu'il va falloir coller, donc il faut la coller dans le bon sens hein. Et évidemment pour qu'elle puisse vous amener de l'autre côté. Je sais pas à quoi ça vous fait penser. Bon, ça me pense à une tête d'alien, si vous avez vu un film d'horreur. Et voilà, ça nous amène de l'autre côté. Voilà, donc si cette soluce vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt les amis. Bye bye.